C'est en général c'est la même question qui revient, c'est je veux me lancer, mais gars, il me manque l'argent. Sauf que toi, tous les jours, tu nous dis que on peut se lancer en entrepreneuriat sans argent. Comment? Valère, je lance un défi à tous ceux qui sont en train de suivre ce direct. Et ça sera mon moyen de leur démontrer qu'on peut entreprendre sans argent. Si dans ce direct, il y a quelqu'un qui peut contacter Valère à la fin ou Agent Livre 237 et dit à Agent Livre 237 que voilà, Claudel a parlé du jeune entrepreneur africain, c'est un livre qui m'intéresse. Moi, je connais quelqu'un qui peut acheter ce livre. Ou je connais des gens qui peuvent l'acheter. Peut-être moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux même pas lire ça. Ça ne m'intéresse pas. Comme je l'ai dit avec la Bible, moi, je ne veux plus lire la Bible. Mais si je connais des gens qui peuvent acheter la Bible, je vais imprimer ça pour leur vendre. Je n'ai pas besoin de lire. Donc, s'il y a quelqu'un qui regarde ce direct et qui se dit, le livre, si, moi, je ne veux même pas lire. Mais j'ai la capacité pour vendre ça. Et je connais des gens à qui, si je leur parle de ça, ils vont acheter. Je lance un défi. S'il y a quelqu'un qui peut vendre ce livre à 10 personnes, contactez Valère et si vous réussissez à le faire, il va vous donner intégralement les sommes d'argent qui ont été versées. C'est-à-dire que je ne vais rien prendre. Donc, si le livre coûte 20 euros et vous vendez à 10 personnes, ça fait 200 euros, vous allez gagner 200 euros. Je prends ça sur moi de vous donner les 200 euros là totalement. Pour que vous puissiez comprendre que toutes les entreprises ont besoin de croissance. Toutes les entreprises ont besoin de gagner plus d'argent. Toutes les entreprises, même celles qui gagnent 1 milliard, si vous venez leur faire comprendre que vous avez des compétences qui pourraient leur permettre de gagner 1 milliard, 10 millions, ils vont vous permettre de le faire, ils vont travailler avec vous. C'est Le vrai, ça c'est vrai. problème c'est que ce que les gens font, c'est qu'ils rédigent des CV, ils Ouais. rédigent des lettres de motivation, ils envoient à ces entreprises-là en leur disant, je peux vous permettre de gagner de l'argent, recrutez-moi. On n'a même plus le Oui. temps de lire les CV là, parce que les C'est vrai. problèmes de l'environnement sont déjà trop compliqués. On n'a plus le temps de lire. Ouais. Par contre, si vous prenez ce livre et vous vendez à 10 personnes, vous dites à Valère, voilà 10 personnes qui sont prêtes à donner 20 euros. Ouais. Donne-leur le livre physique. On va vous donner 200 euros. Et désormais, on va travailler avec vous. Vous pourriez même créer un cabinet de consulting en marketing pour accompagner les entreprises à vendre leurs livres avec vos compétences, même si vous ne lisez pas. Voilà une entreprise que vous venez de créer. Parce qu'il y a combien d'auteurs africains? Combien d'auteurs dans le monde? Vous pensez que si vous réussissez à vendre les livres d'un auteur, il ne va pas travailler avec vous. Qu'importe quel auteur c'est. Si vous partez dans une maison d'édition, vous prenez 10 livres, vous réussissez à vendre. Ensuite, vous faites 20 livres, vous faites 30 livres. Mon cher ami, la maison d'édition là va vous demander que comment faire pour travailler avec vous de façon permanente. C'est Parce clair, c'est qu'ils ont clair. besoin des personnes qui font ce genre de choses. Je vais même prendre un autre exemple. En général, vous regardez des vidéos sur YouTube de personnes qui, chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, ils prennent l'iPhone, ils disent que voilà l'iPhone 12 Pro, voilà comment ça filme, ça a telle spécificité. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Apple paye ces personnes Tout pour à fait. produire ces contenus. Apple leur donne les téléphones gratuitement, leur donne les gadgets gratuitement en première pour qu'ils puissent faire des vidéos parce que ça participe au marketing de la marque, ça permet à la marque de vendre plus de produits. Et c'est ça une entreprise. Est-ce qu'on a besoin de 1 milliard pour prendre un téléphone ou pour faire une vidéo pour dire que le jeune entrepreneur africain, voici le résumé. Si vous voulez l'avoir, contactez tel numéro et que les gens vous contactent, vous réussissez à les mettre en contact avec l'entreprise qui fournit le livre et que les gens achètent, vous avez une commission. Voilà votre entreprise. Il faut quel capital pour faire ça? En fait, les gens parlent du capital parce qu'ils voient l'entreprise comme étant une usine où il y a 200 personnes qui travaillent. Mais ça, c'est quand vous avez déjà fait le basique. Le Tout à primaire, fait. quand vous avez déjà un business model, quand vous voulez déjà passer une étape beaucoup plus importante, oui, vous avez besoin de ça à cette étape-là. Mais au début, vous n'en avez pas besoin. Et voilà un exemple que je viens de vous donner avec un challenge. Ceux qui seront capables de le faire, vous aurez totalement cet argent. Voilà. Et cet argent sera votre capital. Voilà, vous êtes Cet argent sera lancé. votre Donc capital. voilà l'équipe. Ma personne, ne t'en va pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'écouter Claudel nous ici. Si jamais tu es intéressé par le business, tu veux monter ton business en Afrique, je te conseille vivement son livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain.
en termes de business, c'est un livre qui te donne des stratégies qui sont juste énormes. Et si jamais tu souhaites te le procurer, soit je te donne rendez-vous sur mon site internet argentlivre.com, ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut, à gauche ou à droite, ou en description, et puis tu pourras entrer en possession de ce petit jeu de livre. Allez, ensemble.